Thank you.
Yeah! 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 I'm not a man.
Les Saintes Écritures, Luc 10, verset 19. Jésus dit, je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Ici, nous banalisons la sorcellerie. Amen. Ils ne sont rien face à la puissance de Jésus. Amen. Tu es d'accord avec ça? Amen. Hein? Tu es d'accord? Asseyez-vous. Abba Gunyan,
Sorciers, ici nous délivrons les personnes de la sorcellerie. La sorcellerie est une maladie, dans le sens où c'est une possession démoniaque.
C'est un esprit qui les possède comme la folie. Ils sont possédés d'un esprit. Et nous pouvons les délivrer de cet esprit. Faire d'eux des champions. Des agents de Satan aujourd'hui, mais vous serez demain des porteurs de l'évangile. C'est vous qui allez porter l'évangile. C'est lui qui vous allez lancer l'évangile. Cette méthode n'est pas une humiliation. On ne vous humilie pas. On fait ça, le chapitre 1, le verset 16. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Priez. Vous êtes malade et cette maladie, et c'est la sorcellerie. Vous êtes dans une société, ce qu'on appelle la société secrète. Là-bas, quand on va, on n'y parle pas. Voilà. Est-ce qu'on rencontre ce qu'on fait là-bas? Non. Donc, quand on le met au grand jour, ça veut dire qu'on est délivré, on brise un pacte. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons fait avec vous tout à l'heure. Pas en train de vous humilier, non. Je n'ai même pas permis que quelqu'un vous porte la main, non. Vous ne portez pas la main, vous êtes malade. Nous allons vous délivrer. Tous ceux qui sont passés ici, on ne les a jamais frappés. Nous ne frappons pas les sorciers. Ce n'est pas le corps qui nous intéresse. La Bible dit que nous ne pouvons pas combattre contre le corps et le sang. La chair et le sang, mais contre les esprits. Tant que vous ne confesserez pas, c'est ce qu'on appelle la confession des aveux. Le démon ne peut pas partir de votre corps. Oui, il ne peut pas partir de votre corps. Vous avez besoin de briser le pacte pour que le démon parte. On n'a pas forcé quelqu'un. Attention, je vous ai dit. Qui ne reconnaît pas sa sorcellerie? Il n'est pas envoyé quelqu'un. Je t'envoie ici. Mais pourquoi tu es là? Hein? Monsieur, j'ai dit quoi tout à l'heure? Mon français, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, donc va t'asseoir. Quand je parle, il faut bien entendre, d'accord? Ok? C'est pour dire que je ne force personne. Amen? Qui nie encore sa sorcellerie? Je ne force personne. Vous reconnaissez que vous êtes sorcier? Ok. Vous reconnaissez la pratique de la sorcellerie? Tout le monde ici reconnaît? Vous reconnaissez tous? Répondez-moi. Mais où me moi, je pas vous tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire tomber. Donc, si vous êtes ici, parlez bien. Vous n'êtes pas forcé. Donc pareil. Vous reconnaissez? Hein? Parlez très bien. Vous reconnaissez? Je vous ai forcé. C'est moi qui vous envoie ici. Hein? C'est moi qui vous ai dit de venir ici. Vous êtes là pourquoi? Quel porte-parole de. C'est le porte-parole. Porte-parole de même métier, vous avez ça, même profession. Sorcier. Eh, les enfants? Non. Absolument d'abord. Ouais, pose la question. Non. Est-ce que vous êtes d'accord que la porte-parole? D'accord pour être délivré. Oui, nous sommes d'accord pour prouver. Pour être délivré. Pour nous délivrer. Parce que vraiment, la situation que nous vivons est très grave pour nous. C'est quoi la situation qui est grave? La situation qui amène à faire du mal aux yeux de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, vraiment, on est pesé de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, on est fatigué. Hein? On est fatigué. Du fait de travailler. De travailler. On va vous signer une lettre de quoi? Démission ou renvoi? Tu démissionnes? Renvoi total. Ok, nous démystifions la sorcellerie, amen. Oui, il faut démystifier la chose. Souvent, quand je parle, on dit, quoi? Toi, tu... C'est un sorcier qui t'amuse. Vous êtes dangereux, non? Vous êtes dangereux, non, sorcier? Pas plus que Jésus-Christ. Non, d'abord je réponds ma question. Je dis on est dangereux, mais pas. Non, je ne vais pas comparer par rapport à quoi. Ce n'est pas une comparaison. Vous êtes dangereux. Oui. Hein? On est dangereux. Bon, après l'expérience de deux minutes, mettez-vous ensemble et puis attaquez-moi. Non. C'est pas pour les raisons qu'on est venu. Non, chacun a qu'à essayer un pouvoir. On va essayer quelque chose. Mettez-vous ensemble, attendez-vous. Je vous laisse le temps de vous entendre. Et puis on va revenir. Vous allez m'attaquer. Mais si vous m'avez loupé, moi je suis. Je vous donne le visa. Vite. Pardon, on ne veut pas de nous.
Non, le dernier combat va la délivrance. Non. Moi, je désire. Tu peux montrer ta capacité de frappe. Moi, je désire. Tu as essayé tout à l'heure. Hein? Je désire maintenant. Je désire. Ah. Ce combat. Hein? Je désire ce combat. Oh, je veux une expérience. Quelqu'un n'a qu'à venir m'attaquer. Je ne ferai pas part de ce combat. Je vais m'en venir, je suis malade. Je vais venir. Pour démystifier la sorcellerie. Oui. Ils sont rien face à la puissance de Dieu. Rien. J'attends ce jour. J'ai déjà vu ça une fois à Zegribou et à Fresco. Moi, j'aime ce délivrant de village. Ici, on est trop méfiant. Sorcellerie de village, là. C'est ce que je veux. Les voir en direct. Et puis, ça les amène à la conversion. Quand le sorcier vous attaque, il échoue, il se convertit. Il découvre une autre force. Donc, moi, j'aime bien ça. J'aime les amener à la conversion. Donc, il y aura des moments où on va attaquer. Plus tu vas m'attaquer, tu verras la puissance de Jésus se manifester. Vous avez faim, non? Au prophète. Vous avez déjà carrément forcé. Au prophète. Ce n'est pas dans tout lieu qu'on essaie sa voix. Mais toi, tu as voulu essayer tout à l'heure. Tu as voulu essayer quand même. Là, maintenant, tu donnes l'autorisation. Paix, attaque. Non, je fais l'expérience contre le mur, mais pas le prophète. Hein? Mais si tu as mis ça dans ton ami, c'est contre le prophète. Il ne sait pas que le feu brûle. Hein? Il ne sait pas que le feu brûle. Il sait que le feu brûle. On fait très attention. Le feu est brûle. Mais bien. Pas du jouer le feu. Elle n'a jamais dû jouer le feu, sans que ça brûle. Ici, nous démystifions la sorcellerie. Les gens peuvent dire, ah, ceci, hein. Nous les démystifions ici. T'as fini? Le coin a été consacré, donc vous ne pouvez rien contre ici, hein. Et contre tous ceux qui vont loger ici, rien. Zarko, ici, rien. C'est lui qui s'amusait. Il y a une jeune fille qui est venue, elle prend sa sorcellerie, elle prend sa. Elle a laissé en aide. Là, il y a quelque part. Mais là, il dit, ce que tu as mené, tu as mis là-bas. Hein, fonds-le. Va, donne-lui ça. Elle a cherché. Il dit, ok, c'est ce que je voulais voir. Il était délivré. Chasser du monde. Vous voulez délivrer? Oui. Vous allez manger le repas et puis on a fait de délivrance. Prenez-moi aller le manger. On n'en est même plus bébé. Pourquoi? Vous n'avez pas fait. Non, on n'a pas fait. On n'a même pas fait. Tu veux manger, chouïa. Mais vas-y. Tu veux manger bien. Qui veut manger bien, sauce? Et l'abattoir n'a rien tué, donc on n'a pas de bien à manger. Il parle à lui, abattoir est fermé ou t'as pas tué? Hein? C'est fermé. C'est pas que j'ai poussé en entendu l'abattoir, il y a des diplômes à l'abattoir. Donc, on va pas en France, ou bien on va aller plus loin. C'est le micro là, vous parlez de quoi? À Paris d'aujourd'hui, on m'a épris bien, on m'a épris bien. On en est assez. Maintenant, c'est plus. Après quoi, il y a un colloque des jours. Mais c'est pas la peine. Pour qu'on change d'autre aliment. Il peut nous mettre à l'aise plus que la viande. Mais tu es encore là-bas. Oui, mais si je ne savais pas qu'il y a une porte, un plat plus bon que le faux plat que je suis en train de manger, sans poisson, sans djégué, sans rien, rien. Non, il faut que je m'approche auprès de celui qui prépare ce plat pour que vraiment je sois là. Même qu'il m'envoie là, je suis conscient, je suis là. Tu veux délivrer la sorcellerie? Oui. Oui. C'est le fait, hein? C'est là où vous mangez bien. Si nous jouons. Non, réponds-moi. Ce sont des fêtes. C'est notre période de manger la chair humaine. Oui.
ce que tu es en train de faire là, c'est pas pour jouer ça. Oui. Celui qui s'amusait ça, il va aller sur la terre. Oui. C'est pas la comédie, nous sommes pas en salle de théâtre. Je ne parle pas de la comédie. Prêt à faire que vous nous parlez, vous aussi, on vous écoute attentivement. Goua Goua, à mon nom il t'a pas eu le Goua Goua, à mon nom il t'a pas eu le mot. Amalina Ugaoule, à mon kawa kouyoyo. Amalina Ugaoule, à mon kawa kouyoyo. Go to the moon,